Nydia Letty, les clips de la semaine. Oui. Quel clip tu nous proposes aujourd'hui? Alors, ce matin, je propose le clip de Marie Ndiaye. C'est un clip qui fait le buzz. Oui, j'ai remarqué. Mais c'est le buzz de chez Buzz, quoi. C'est même plus que le buzz du net. C'est une Sénégalaise qui est aux États-Unis. C'est en Suisse. Une Sénégalaise qui est en Suisse. Donc, même pour te dire que le clip fait le buzz, hier matin, il y a notre technicien vidéo Imam là, qui m'a dit « J'ai vu un clip sur Internet. » Et quand il m'a montré le clip, j'ai vu le clip de Marie. Donc là, vraiment, je me suis dit « Faut que j'en parle et faut que, voilà, que les gens découvrent cette Sénégalaise qui nous charme comme ça. Oui. » Donc le clip, c'est « Dum Dum ». La chanteuse, son vrai nom, c'est Marianne Ndiaye. Donc sénégambienne d'origine. Elle est née à Stockholm, c'est en Suisse, en 87. Donc, elle aime se décrire comme une grande rêveuse, ce qu'elle fait plutôt bien à travers ses clips. En tout cas, quand on voit le clip, c'est plein de couleurs, plein de couleurs. Elle danse. Elle est joviale. Elle est joviale, super. On voit la jeunesse. On voit, voilà, on sent la jeunesse. 87, ça doit faire peut-être 24 ans. Ouais, elle est très jeune. Et donc, sa musique est plutôt pop rock avec un peu de l'eurodance. Voilà. Et lorsqu'on regarde le clip, on sent pas trop les airs sénégalais parce que ça fait vraiment américain et tout ça, et c'est vraiment génial, c'est une très belle découverte. Donc ce qu'il y a de particulier chez elle aussi, c'est qu'elle écrit elle-même ses chansons. Voilà, donc elle est auteur, compositeur, interprète, et elle en écrit aussi pour d'autres artistes. Et jusque-là aussi, c'est elle qui s'occupe de son orchestre live, de ses danseurs, c'est elle qui gère, voilà, sa petite équipe à son âge. Et il y a aussi l'artiste, le producteur Akon qui l'a découvert. Ah oui, j'ai vu une photo d'elle et de Akon. Voilà, Facebook. Exactement. Donc, il a beaucoup participé à sa promotion en l'invitant dans son émission Virgin Radio aux States. Donc, voilà, Marie Ndiaye, sénégalaise d'origine, sénégambienne. Ça fait plaisir quand je... Non, je sais, tu es toute souriante. Oui, je suis contente. Je suis en train de faire un peu de temps. Qui est des titres? Je suis un peu plus de temps. Dumb, 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 dee-dumb.
Clivi. Anya untuk pondok ya. Ini kan, no, no, ibu pak ini gini sekret bobo. Dia ngam, ah nyumbai kok. No, neng kau baik cibin. Neng ini no, neng gis langi efek no, neng jadi nyuham. Ah là là. En tout cas, c'était un joli clip. On a vu des couleurs comme. Des couleurs. On sent la jeunesse sénégalaise, quoi. C'est bien. Toi, tu aurais aimé être chanteuse? Ouais, pourquoi pas. Je dirais pas nous, hein. Louis Wacon, si tu devais chanter, qu'est-ce que tu allais chanter? J'allais chanter l'amour, la joie, la jeunesse, les amis, la famille. Est-ce que tu peux faire un petit extrait de ce que tu viens de dire? L'amour, chante-nous sur l'amour. Non, je sais pas. L'amour, c'est moi. Oui, l'amour, c'est moi. C'est bien lui. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte, Marine Diaye, sénégambienne qui vient en Suisse. Yes. On lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès également. Ouais. Et puis puisqu'elle est à côté de Akon, je pense qu'elle va bien évoluer et qu'elle va devenir également une très grande chanteuse parce que Akon, mashallah. C'est une grosse pointure. Rien à dire. Alors, Denis Diaye, le Tio, allô, good morning. Oui. Et c'est...